On va faire tout de suite le tour de la boîte. Boîte nouvelle génération par Dougie, avec le téléphone sur un fond noir, plutôt classieux. Donc à l'arrière de la boîte, on va faire le tour des specs annoncés par Dougie. Un écran 5 pouces HD 720p, IPS OGS, donc avec un tactile répondant correctement. Un écran légèrement incurvé sur les bords, type 2,5D. Il est équipé d'un CPU, le MT6735 quad-core, donc en 64 bits avec la 4G full band. L'OS est un Android 5.1, très bon point de la part de Dougie. En mémoire, on a 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Et au niveau des fréquences, donc on nous annonce la 3G 900, très bon point, mais aucune annonce sur la 4G au dos de la boîte. Certainement un bug de fabrication de la boîte. Quant à la caméra, on a du 13 à l'arrière Sony et du 8 à l'avant. On se retrouve juste après une présentation en musique et en extérieur de ce Dougie Y100. Nous revoilà donc avec ce smartphone Y100 Pro en main. Donc son design est plutôt propre. On pourrait croire à un téléphone unibody, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de coque en fait sur l'arrière. Or il n'en est rien puisque la coque ici se retire. Voilà. Et vous arrivez dans les entrailles de la bête. Donc, on se retrouve classiquement avec un lecteur de carte SIM ici, une micro SIM et la carte SD, micro SD ici. Donc, comme d'habitude, en fait, sur tous ces téléphones, le haut-parleur, en fait, se trouve en bas ici. Le micro se trouve juste ici, en bas, donc à gauche du téléphone. En haut, on retrouve la prise micro USB, le jack 3.5 pour l'écouteur, donc la caméra arrière. Sur l'avant, on retrouve ici la caméra. Les capteurs avant sont pas très visibles. On regardera ça après. Donc on voit que l'écran effectivement est courbé sur les bords. La LED flash se trouve ici, pas de LED flash à l'avant. C'est un téléphone assez simple, mais équipé donc de ce processeur 64 bits qui devrait normalement faire tourner correctement ce smartphone. On va retirer tout de suite le film qui protège le protège-écran. Et le premier défaut que l'on peut voir, et ça, je déteste ça. C'est ici, voilà, on les voit bien, deux bulles avec deux poussières sous le protège-écran. Ça, c'est pas très très agréable à l'œil lorsque vous recevez votre téléphone. Donc ici, on a les boutons Home, donc les boutons Android classiques, hein. Le bouton menu Home et Back. Bouton non rétroéclairé a priori. Les capteurs en fait de proximité
Et de luminosité se trouve en fait ici, bon, pas très visible à la caméra, un peu plus visible à l'œil nu. Donc honnêtement, le protège-écran n'est pas très 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 bien posé, y compris ici en haut aussi, c'est un peu dommage. Donc fort probable que vous le retiriez, mais malheureusement l'écran n'est pas Gorilla Glass, donc attention aux rayures. Donc je pense qu'il est préférable toutefois donc de laisser le protège-écran. On va procéder tout de suite en fait au retrait du scotch protégeant en fait la batterie lors des transports. Mettre la batterie de 2200 mAh. Bon, effectivement, elle est fine, très légère. Ça devrait permettre au téléphone de tenir. Malgré tout, ça semble un peu léger. Alors, chose étonnante, à nouveau, on nous rappelle les fréquences, mais effectivement, on ne nous annonce pas de fréquence en 4G. Bon, bref, on verra ça. On va tester ça. Donc on remet ça. La coque est vraiment du plus bel effet, on dirait vraiment du métal. Bon, c'est du pur plastique, hein. Mais bon, c'est écrit ABS. Deux petites bandes de mousse sont collées sur les côtés, pour bien appuyer ici sur les bords en fait du téléphone. Ça devait bouger peut-être un petit peu au niveau de au moment après la fabrication. Donc on ferme, ça s'enclipse parfaitement. Et c'est vrai qu'une fois enclipsé, on a vraiment l'impression que c'est un téléphone unibody. C'est plutôt joli, c'est propre. Donc voilà notre téléphone nettoyé des traces de doigts. On va l'allumer de suite. C'est une méthode actuelle chez tous les fabricants actuellement, c'est de mettre les boutons volume plus moins et le bouton marche arrêt du même côté. Donc soit souvent à gauche, soit à droite, mais en tout cas on met tout du même côté. Bon, c'est un peu bizarre comme fonctionnement. Bref. On voit tout de suite que c'est bien du 5.1. Donc, comme à son habitude, Dougie customise l'interface, customisée a priori très légèrement, parce qu'on se retrouve sous, a priori, je dis bien a priori, mais il semble que ce soit le cas, de l'Android full stock, puisqu'on retrouve les boutons classiquement positionnés avec. Donc la caméra par défaut, les paramètres et autres. Donc on va se mettre tout de suite en français. Donc d'ailleurs lorsqu'on se met en français ici, on voit bien que tout de suite c'est le clavier Android par défaut. Donc rien de bien extraordinaire. On retrouve donc ici à propos du téléphone la version d'Android donc 5.1 avec un update ou une mise à jour qui a déjà été faite au 1er juillet. Donc il y a peut-être une mise à jour plus récente. Voilà. On va regarder ça tout de suite. Donc, comme on l'indiquait au départ, les boutons ne sont pas rétroéclairés. Il y a un retour, une vibration lorsque vous appuyez sur les boutons, par contre. On va connecter tout de suite notre téléphone sur notre réseau Wi-Fi et on revient. On va regarder tout de suite la mémoire réellement disponible. Ils annoncent 2 Go, donc on va regarder ça au niveau des applications. Donc ici en mémoire disponible 1 giga 6 sur les 2 gigas.
Sachant que sur ces 2 gigas sont déjà pris 143 MB pour les applications, 176 pour le système. Donc les différentes applications déjà chargées en mémoire sur le téléphone. Donc tout ça c'est cohérent, donc il n'y a pas de vol là-dessus. Les Smart Gestures du grand classique, donc on va se mettre en activé. Donc la galerie, caméra, donc si on fait par exemple caméra, on va regarder derrière, passe nanana, ok, et les trois finger screenshot qui n'est pas très utile parce que les boutons en plus sont proches, donc un volume bas plus bouton power pour prendre une capture d'écran. Bon, eux ils proposent le glissement des trois doigts sur l'écran, on va le mettre en place, on revient. Voilà, ça a fonctionné. J'en ai déplacé d'ailleurs la. Oups, ça là. Voilà, on va se remettre comme par défaut. Donc la capture d'écran fonctionne. La caméra, j'imagine que le C, non. Voilà. Et c'est la caméra, voilà. Donc du grand classique. On va regarder la caméra, on va en profiter pour regarder la qualité de la caméra. Donc avec des couleurs au fond plus notre Rilakkuma. Donc voici un exemple pris en intérieur. Suivront des exemples pris en extérieur et on verra ce que cela donne. Donc nous allons installer nos différentes applications de mesure de test matériel à partir de notre Play Store favori. Nous revoilà donc avec notre téléphone sur lequel ont été installées les différentes applications que nous utilisons chez Sinophonix. On va commencer tout de suite par vérifier la qualité de l'écran fourni par Doogie sur ce Y100 Pro. Donc on va lancer notre screen test et voilà, donc les blanc gris, bref peu importe, mais les blancs affichés sur cet écran. Première chose, bah il n'y a rien, contrairement à deux autres écrans en fait que nous avons testés. Les vidéos qui viendront par la suite, écran de Lookitel U8 et du Emlace M7, sur lesquels des tâches apparaissent et se dès la mise en route, même sans surchauffe ou quoi que ce soit. Donc ce smartphone ne contient aucune tâche sur son écran. Donc voici les dégradés de couleurs. Donc du noir au plus éclairé, tout est parfait, il n'y a vraiment rien à redire sur cet écran. Donc ça c'est déjà un très bon point au niveau du screen test. Nous allons lancer maintenant notre test du GPU. Je vous le rappelle, je crois que j'en ai pas parlé, mais c'est un Mali-T 720, donc qui n'est pas particulièrement puissant après avoir mené différents tests. Donc le T720, on va le tester tout de suite. Donc on lance notre outil GPU Bench. Donc voici les résultats. Des résultats qui ont l'air beaucoup plus performants, plus probants en tout cas sur ce smartphone Y100 Pro
que sur le Oukitel U8. En moyenne, nous sommes à 43 frames par seconde, ce qui est plutôt un bon résultat, avec un score de 11 921 points. Et le score normalisé, normalement en fait sur ce type de résolution d'écran, est de 10 986. Donc nous sommes au-dessus du score normalisé. Donc on va lancer maintenant notre outil AnTuTu, le grand classique. Donc voilà pour les résultats AnTuTu, classique, 20 311 points. Un peu plus que certains autres téléphones équipés du MT6735. Donc les informations fournies par AnTuTu. Donc on va zoomer un peu dessus pour que vous voyez mieux. Donc on est bien sur de l'Android 5.1. Avec le 6735P, donc ça doit être le processeur à 1 GHz. On va vérifier ça par la suite. Donc le Mali-T 720 avec un écran HD, caméra arrière de 13 mégapixels. En RAM, on est à 2 Go. Il nous reste 1 Go 2. En stockage système, sur les 16, il nous reste 11 Go 2. Donc ça, c'est notre carte SD. Donc, notre processeur 6735P en 64 bits, 4 cœurs. Et donc, voilà, donc c'est du 1 GHz environ, puisque là, il le mesure plutôt à 988 MHz. On continue. Donc, notre résolution d'écran 720p avec un GPU Mali-T 720. Donc, caméra frontale à 8 mégapixels. Donc plutôt pas mal pour vos selfies. Niveau de batterie à 43, il va falloir qu'on la charge pour faire nos tests Geekbench. De l'Android 5.1 en réseau Wi-Fi. Bon, bref, voilà. Donc voilà pour l'ensemble des informations fournies par AnTuTu. Donc on va lancer maintenant notre outil MTK Engineering, qui est l'équivalent de Mobile Uncles pour ceux qui connaissent l'autre. Donc nous on utilise celui-ci. On va regarder et vérifier tout de suite notre BenMod. Alors en SIM 1, donc en UMTS 3G, donc on a bien la 900 MHz, donc la 1900-2000, plus les bandes autres, puisque c'est un processeur dédié à l'international. Et on a bien donc la 4G. LTE mode, donc avec les bandes 1, 2, 3, 4 à 7. On a la 20, donc on a la 20, on a la 7, la 3, la 1, donc pour nous en France, plus les autres bandes pour vous promener à l'étranger. Donc c'est bien le processeur complet avec la 4G. Nous revoilà donc avec notre Dougie Y100 Pro. Dougie qui a tourné toute la nuit pour tester la batterie grâce à Geekbench. Geekbench qu'on va lancer de suite. Voilà les résultats. Résultats plutôt pas mal par rapport à la batterie de 2200 mAh. Donc vous voyez qu'elle a tenu près de 8 heures pour passer de 100% à 1%. Geekbench lui donne un score de 2118, donc plutôt une bonne chose, puisque en comparaison le Mless M7 n'a tenu que 5h30 avec une batterie normalement annoncée de 2600 mAh.
pour résumer sur ce Dougie Y100 Pro, les nouvelles générations de smartphones par Dougie. Smartphone plutôt agréable, un écran très sympathique, car très très bonne réactivité au niveau du tactile. Point négatif, toujours chez les fabricants chinois, c'est le non-traitement en fait de surface des écrans. Donc vous vous retrouvez voilà très rapidement avec des traces de doigts qu'il faut nettoyer régulièrement. Le film de protection n'aide pas, ça c'est clair. Un film de protection en plus donc pas très très bien posé puisque l'on voit ici les marques. Ici vous voyez deux petites bulles donc il y avait de la poussière. Donc au niveau du contrôle qualité lors de la pose de ce film, ça laisse à désirer. Autre point sur lequel Dougie devrait faire attention, c'est d'annoncer, et vous le retrouvez en haut, dans le coin à droite, la publicité faite sur ce téléphone, pour lequel ils disent donc un métal unibody. Donc je cherche toujours le métal, puisque ici, nous avons donc une coque en plastique. Alors certes, l'aspect paraît vraiment métal. Ils disent qu'il y a une espèce de poussière d'aluminium après avec une peinture. Bon, bref, donc ça store. Il est clairement écrit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ABS. Donc qui dit ABS dit plastique. Bon, donc je cherche toujours le métal. Donc c'est un peu une publicité mensongère. Il n'en reste que ce téléphone est vraiment sympa au niveau du design, au niveau de son look métallisé. Une coque qui tient parfaitement, donc un téléphone pas très épais. Un peu exagéré aussi en disant que un écran incurvé 2,5D. Si vous prenez les écrans Oukitel tels que le 8, qui est lui aussi annoncé en 2,5D, il est beaucoup plus incurvé sur les côtés, il est plus bombé, lui me donne plus l'effet d'un écran, la coque ne recouvre pas jusque l'écran en fait au rebord ici. Donc ça me donne plus l'effet d'une annonce un peu marketing comme le Metal Unibody. Mais ça reste un très très bon téléphone avec de très bonnes performances générales. Un test lui aussi a donné des résultats très bons de l'écran. Donc aucune tache d'écran, y compris après 3 jours d'utilisation du téléphone. Le GPS répond bien. Donc voilà pour cette vidéo sur le Dougie Y100 Pro. On a fait le tour de l'ensemble des fonctionnalités ainsi que surtout une revue complète technique des spécifications de ce téléphone. Donc un téléphone que nous gardons sur notre boutique car il nous a bien plu. Même si il y a des choses à revoir telles que le non-rétroéclairage des boutons, pas de lettres de notification, traitement de surface de l'écran, Nongoria Glass 3 bien entendu, mais surtout donc ces films de protection qui gardent toutes les traces de doigts, ça c'est juste quand même insupportable à ce jour. Donc voilà pour aujourd'hui. Et donc surtout n'hésitez pas à nous liker grâce au pouce, à nous laisser un petit commentaire. D'autres vidéos sont à venir et donc n'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci et à bientôt et à la prochaine.